heart is looking for is love to last forevermore. Oh, time for love, what can I say? Love comes along, I run away, but I will stay the day I see true love at last has come to me. C'est plumé pour ce soir. Continuez si ça vous amuse, et moi ça va comme ça, j'ai pas plus, je vais tomber. Hein. Mais plus d'argent, mais vous auriez peut-être les choses. J'élève le plus magnifique spécimen de la région. Exceptionnellement, aujourd'hui, je suis prête à vous. Je ferai ce que tu veux. Tu trouves que t'as pas assez plumé comme ça pour aujourd'hui, hein? Ben, il laisse ta chemise, si John tu veux pas n'a plus besoin de nourrice, laisse-le. Oh, bon. Oui. Allez, vous ne tenez pas à continuer, dites-le. Moi, je continue, moi aussi. Je ne laisserai jamais une partie en suspens, surtout quand je joue avec une belle inconnue. J'espère un jour que nous sommes. John, c'est à toi de parler. Passe. Moi aussi. Ouvert. Je suis. Deux cas. Deux. Moi aussi. Parole. Disons 15. Si. Trois ans. Ou le roi. Avec une figure. Cet esprit. RNG. Voyons un peu la fameuse fille habillée en homme. En temps au vin. Là, que ça marche pas mal pour toi. Je pourrais l'entendre. Il a pourtant pas l'air si. À propos, qu'est-ce que tu dirais de laisser ces trois pigeons et les faire partir? C'est peut-être bien. D'accord. Tu as de l'argent à perdre. Alors non, messieurs. Au revoir, Jean. Bonsoir. À combien veux-tu te caver? Comme tu voudras. Voilà, ça sort des cas. J'ai tout là. Est-ce qu'il faut pour une partie comme celle-là? Vous n'avez besoin de rien. Peut-être un peu de champagne. Tu veux boire du champagne? Non, je ne bois jamais quand je joue. La relance est limitée?
Non, les limites, je veux pas savoir ce que c'est. Aucune limite avec moi, rien. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, on commence, oui? 1000. 1000. 2 cartes. Moi aussi. Bien, 2000 alors. Oh non, 2 c'est ridicule. 3. Hein? Mais alors, pourquoi pas 5? Bon, ça, je t'avouerai que c'est par curiosité. Eh bien, je n'ai que 2 valets. Et moi, je n'ai que 2 dames. Ce sont des choses qui arrivent. J'aime ta façon de jouer. Je vois que tu oses prendre des risques au moins. Voilà une soirée qui sera loin d'être monotone avec toi. Carrera. Oh, très bien. Cette fois, tu vas être obligé d'arrêter de jouer. Tu as perdu tout ce que tu avais? Non, je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Elle n'a plus un scène. Pour une fois que est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? Oui, débarrasser le plancher. Allez, filez, filez. J'ai encore cette bague, si tu es d'accord. Elle a de la valeur. Elle vaut au moins 15 000 dollars. Sur un coup sec. Tu n'aimes pas te revaincre? Jamais. D'accord, coup sec. Bravo. Et voir. Voilà. Tu as gagné. Avec 2-9. Dommage. C'est fini. Cette fois, malheureusement, je n'ai plus rien à jouer. En es-tu si sûr que ça? Je suis prêt à remettre cette somme en jeu. Je suis prêt à mettre le double, même si tu veux. Et contre quoi? Une nuit avec toi. En fait, je sais que c'est une proposition un peu... Une femme bien, c'est-à-dire comme toi, ne joue pas ce genre de choses. Ce que j'en disais, c'était pour continuer à jouer. Mademoiselle Bell! Mademoiselle Bell! Mademoiselle Bell! Mais je savais très bien que tu n'accepterais pas. Tu te trompes, mon cher. Tu ne me connais pas encore. Allez, coupe. Alors, coup sec, hein? Non, car... 3 cartes. Autant pour moi. Ça y est, encore 2-9. Tu as de la chance. Pas tellement. Je n'ai même pas ça.
Oh, pardon, je voulais seulement essayer d'être galant. Bon, déshabille-toi donc toute seule, si tu le préfères. Délicate attention, j'ai le même dans ma réserve personnelle. La seule chose qui me plaît chez les Européens, c'est le champagne. Comme tu vois, je suis difficile et j'ai des goûts raffinés. Je ne suis pas un de ces cow-boys grossiers comme on en voit tant. Loin de là, je dirais même que je suis un gentleman. Tu vois, je me retourne même pas pour te regarder. D'ailleurs, avoue, j'ai du mérite à résister. Pourtant, je suis persuadé que le spectacle doit être plein d'attrait avec une fille de ton espèce. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir une femme ôter un pantalon pour faire l'amour. Tu es une drôle de fille, tu sais. Tu as un air décidé qui me plaît. Tu te promènes à cheval toute seule, le pistolet à la ceinture. Tu passes toutes tes nuits à jouer au poker dans les saloons. Et ensuite, tu te comportes comme une petite fille rougissante. Entre nous, tu pouvais très bien gagner cette partie et venir quand même coucher avec moi, non? Mais pourquoi as-tu laissé tomber tes trois dames? Bon sang, négliger un carré servi, c'est un vrai crime. Mais à propos, pardonne-moi si j'ai regardé les cartes en sortant. Je te l'ai déjà dit, je suis d'un naturel plutôt curieux. Hey! Il ne faut pas jouer avec les armes à feu, ma jolie. Tu pourrais te faire du mal. Allez, allez, viens, calme-toi. Est-ce qu'elle est méchante? Petite. Comment non? Tu as laissé passer ton poker exprès pour venir dans ce lit. Avec moi. Allez, calme-toi. Ça suffit. Allez. Mais elle est folle. Allez, sois gentille. Sois gentille. Pourquoi tu avais besoin d'une excuse? Il faut toujours faire ce qu'il vous plaît. Quand on en a envie. La vie est courte. Arrête, mais arrête. Hein? Qu'est-ce que là? Je ne suis tout de même pas le premier homme dans ta vie, non? Tu es une tigresse. Jamais permis à aucun homme de m'approcher. Le seul qui a essayé est mort. Alors moi aussi, tu voulais me tuer, hein? Mm-hmm. J'aurais pu le faire. Je te voyais très bien dans la glace, j'avais largement le temps de tirer. Mais tu ne l'as pas fait. Non. À propos, pendant que j'y pense, je ne sais même pas comment tu t'appelles. Larry Blakey. Mon nom ne te dit rien? Mmh. Je suis pourtant assez connu dans la région. Ah, si la coutume était de mettre sa signature sur les cadavres, les cimetières seraient des musées pleins de mes autographes. Tu peux me croire. Larry Blakey. Larry Blakey. Ah oui, bien sûr.
Missouri, Texas, Kansas, Virginie. Oh, je dois te connaître. Ah, oh, t'inquiète pas. Mais pourquoi veux-tu que ça m'inquiète, ma jolie? Mais toi, qui es-tu? Belle star. Belle star? C'est quoi, qu'est-ce qui te prend? Tu es belle star, la terrible belle star! Mais qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Tu as bientôt fini? Tu vas t'arrêter, oui ou? Dis-toi que je ris quand ça me plaît. Tu crois que tu peux me donner des ordres? Mais tu te trompes. Pour moi, mon ange, tu n'es qu'une petite fille avec qui on couche un jour, quand on en a envie. Tu as raison, et c'est la même chose pour moi. Non, alors là, je crois pas ce que tu dis. De toute manière, si tu veux continuer à jouer avec un revolver habillé en homme, va donc faire ça ailleurs. C'est mon fief ici, pas de concurrence. J'ai horreur de ça, même s'il s'agit d'une dame. Compris, mignonne? J'ai la main distraite quelquefois. Avoue que ce serait dommage si un coup partait tout seul. Merci pour le poker. Tu n'as gagné qu'une seule manche, salaud. Attends mon tour. T'es inquiète? Il t'est arrivé quelque chose? Non, rien du tout. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé près de la ville. On te recherche dans tout l'État. Je t'en prie, il faut qu'on parte, c'est trop dangereux. C'est dangereux n'importe où pour nous. Ça peut faire envie à n'importe qui, 15 000 dollars. Un jour, qui sait, ce sera peut-être toi qui me livrera pour toucher cette somme. Tu as tort de rire. L'homme qui joue avec, c'est Larry Blakey. Je pense que ça lui plaira guère de t'avoir ici. Belle, allons-nous-en. Tu devras l'affronter un jour. Je le sais, et figure-toi que c'est pour ça que je veux rester. Tu veux le provoquer en restant? Mais c'est une brute, un bandit. Et il a la main rapide. Ouais, on verra bien s'il est plus rapide que mais moi. Mais tu l'avais perdu au poker. L'imbécile. Je pense payer ainsi sa soirée. Va au village et essaie de savoir à quel endroit et à quel moment ce Larry Blakey retrouve sa bande. Pourquoi? Que veux-tu faire? Cours et pas de questions, fais ce que je te dis. Et ne te présente pas ici tant que tu pourras pas savoir où je peux trouver cet animal. Oh non, boss, pas à cheval. Enfin, tu prends mon saloon pour vous montrer comment on joue. Mais tu vas tout casser, descends. Arrêtez. Appuie la main. Quoi, j'ai pas la main? Hein? Carambolage, t'es bravo. Ha
avec les stars, là. Ah, toi, la grosse. Je te connais pas encore, toi, t'es nouvelle. Lève un peu le nez que je te vois. Tu sais non pas que dans le grand monde, on doit se présenter. Moi, je m'appelle pas de chez toi. Oh, c'est ça. Oh, c'est là. Tu te permets d'aller avec un autre homme quand je m'occupe de toi, grosse garce. Tu veux me lâcher pour ce froluquet? Tu sais donc pas apprécier un mol. C'est gros, ce type-là. On l'a jamais vu dans le coin, justement. Un vrai gamin. Depuis quand que tu laisses les gosses entrer dans ta boîte? Hein, Nevada? J'ai besoin de voir Larry Blakey. Il paraît qu'il vient quelquefois ici passer un moment. Pas entendu ce temps-là, je sais pas qui c'est. Hé hey, t'as pas à toi. On peut savoir comment il s'appelle, l'homme comme il faut. C'est où il se trouve, n'est-ce pas? Demande-le plutôt à ces types-là. Quoi, ils sont de la bande qui travaille avec lui? Moi, je ne t'ai rien dit. Eh ben, viens me répondre, le petit jeune homme. Hein? Qui es-tu? T'es sourd? Méfie-toi quand même. Réponds, il est dangereux. Il tire bien, il tire vite, il vaut mieux ne pas lui tenir tête. Nevada! Dis-lui, toi, que j'aime pas demander quelque chose deux fois, et dis-lui que je suis pas très patient. Alors, tourne-toi par ici. J'ai demandé comment tu t'appelais. T'entends? Si t'étais un homme, t'aurais déjà descendu. T'as la tête dure, hein? On voit bien que tu me connais pas encore. Maintenant, tu disposes de 30 secondes, gamin. Si tu m'as pas encore répondu, je tire. Alors, ton nom une dernière fois. Tu l'as cherché. Oh. Allô, Johnny, Tom, Dick. Tu as du grand monde, tu ne peux pas partir. Méfie-toi. Budge, qu'est-ce qui se passe? Descendez-le. Tiens, d'abord, lance ça et vise après. Ne tirez pas. Johnny! 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 Mon pauvre frère. Attends. Attends. Ne tire pas! Ne tire pas! Tiens. Tiens, regarde. Voilà de l'argent. Il y a plus de 5000 dollars. C'est tout ce qu'on a tiré de la vente du bétail. Mais ça fait rien. Prends-les. Prends-les et va-t'en. Attention, c'est un piège. Vas-y, Dick! Oh. Salaud! Oh. Oh. Maintenant, puisque tu voulais savoir mon nom, eh bien, je vais te le dire, je suis Belle Star. To last.
forevermore. No time for love. What can I say? Love comes alone. I run away, but I will stay. The day I see my love at last has come to me. On m'a dit que tu me cherchais chez Nevada l'autre soir. Bien sûr, ce sont les survivants qui me l'ont dit. Tu as offert un spectacle en mon honneur. Ce n'est pas moi qui ai donné le signal. Oui, oui, je le sais, je sais. Oui, tu as eu raison. Ils t'ont provoqué, d'accord. Seulement, tu m'as expédié 4 hommes dans l'autre monde et ça, j'aime pas. Qu'est-ce que tu me voulais? Je voulais te rendre cette bague. Tu l'as gagnée au jeu. Elle t'appartient. Je n'accepte aucun cadeau de toi. Pour la remettre en jeu dans un petit poker? Non, je regrette, je joue quand ça me plaît. Quel mal tu te donnes, Maelstrom, tu m'amuses. Mais pourquoi ne veux-tu pas admettre franchement que je te plais? Ce serait beaucoup plus simple, non? Ah, mais ça, tu ne peux pas, non? Tu n'es pas une femme comme les autres. Tu es la terrible belle star. Ah, chez nous, les légendes se répandent comme une traînée de poudre de saloon en saloon. Alors, ta main est-elle aussi rapide et infaillible qu'on le prétend? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es trop grand pour mon goût. Et tous tes discours m'agacent. Je t'ai assez entendu, va-t'en. Va-t'en. Fiche le camp, je t'ai dit. N'avance pas. Pourquoi? Tu as tort d'approcher. Pourquoi? Si je m'approche, qu'est-ce que tu feras? Tu me tueras? Qu'est-ce que tu attends? Que je te revoie jamais, Blake. Et je te conseille de filer. Vraiment? Voyons ça tout de suite. Oh. La prochaine fois, attention. Ce n'est pas ton chapeau que je trouverai. Va-t'en! Armes. Tu ne ressembles pas à Belle Star. Belle Star. Belle Star n'existe pas. C'est une façade derrière laquelle j'ai caché les ruines d'une vie ratée. Tous ceux de notre espèce cachent une vie ratée derrière leur revolver. Pourtant, c'est un joli nom. Un bien joli nom. Mais c'est le tien ou c'est toi qui l'as inventé? Non. Non, c'est un cow-boy qui l'a trouvé un jour par hasard. Voilà 2 ans. Un cow-boy qui s'appelait Cole Harvey. C'était un garçon un peu fou, qui vivait libre comme un poulain sauvage sur les hauts plateaux de la Virginie, là où je suis née.
C'était un moment de ma vie où je ne savais même pas ce que j'allais faire. Je venais de quitter la maison. Et je vivais de la chasse, dans les bois, près des lacs. C'est là qu'un jour nous nous sommes rencontrés. Jamais sortir sans son chapeau. Mais cesse de rire! Cesse de rire, tu m'entends? Rends-moi mes vêtements! Rends-les-moi, je te dis, ou je te tuerai comme un chien! On ne menace pas les messieurs quand on est dans cette tenue, mademoiselle! You! Les femmes doivent être rembourrées à certains endroits. Oh, rends-moi mon arme, si t'en as le courage. Oh, mais bien sûr. Voilà, attrape ton revolver, ma poulette. Oh, oh. Il a déchargé là. Ah, bien sûr, je suis gentil, mais pas fou. Prends ça. Comment tu t'appelles, toi? Moi? Oh, tu peux rire, mais je te tuerai un jour. Je me vengerai, tu sais, je te chercherai dans tous les états de l'Union. Tu m'as pas reconnu? Ah, oh, tu n'as pas beaucoup de mémoire, Isabelle. Eh bien, je suis Cole Harvey. Tu te souviens de mon nom? Oui, Cole Harvey. Cole Harvey, c'était un ami, un gentil garçon et bien élevé, lui. Jamais Cole ne se serait permis ce genre de plaisanterie. En tout cas, pas avec moi. Et pourtant, je suis bien Cole Harvey, ma jolie. Je t'ai reconnu tout de suite, bien que je t'ai pas revu depuis l'époque où tu avais des nattes. Et le nez sale. Allons, Massachusetts, viens. Viens voir comment s'est fait la filleule d'un colonel. Miss Isabelle Shelley. J'ai décidé d'oublier que je portais ce nom. C'est un nom que je maudis. Appelle-moi Belle, ça suffit. Ah, ah, Belle, ça me va bien, un bon choix. Belle. Hmm. Seulement, c'est un peu court. Mais tout le monde sait qu'étoile se dit star. Pourquoi pas Belle Star, toi qui es couverte d'étoiles? J'y réfléchirai, merci. C'est tout réfléchi, Belle Star. Au revoir. Non. Depuis ce jour-là, je me suis appelée Belle Star. Puis Cole et moi, nous avons décidé de nous associer. Il te plaît?
plaisait comme je te plais aujourd'hui? Tu peux être franche, tu sais, qu'est-ce qu'il y avait entre vous? Rien. C'était un ami, c'est tout. Nous avions grandi côte à côte. Il était le fils d'un cow-boy qui travaillait chez nous. C'est lui le premier qui m'a appris à tirer et à monter à cheval correctement. Dès que nous avions fait un coup, nous nous séparions. Les gars allaient de leur côté boire et jouer. Cole et moi, nous retournions vers nos lacs. Nous étions heureux. Je me souviens avec plaisir de cette période. Mais tu ne m'as pas encore dit ce qui t'a poussé à fuir ta maison. Tu devais avoir des raisons pour ça. De pénibles raisons. Je suis partie à cause de mon tuteur, le colonel Jonathan Shelley. Je n'aime pas beaucoup parler de ça. Bon, comme tu voudras. Oh. Ça ne fait rien, il y a si longtemps maintenant. Mes parents sont morts quand j'étais très jeune, mais j'avais un tuteur. Un cousin éloigné. Je l'aimais bien. Cet homme était un héros de la guerre. J'avais un culte pour lui alors que je ne l'avais jamais rencontré. Pour être digne de lui, j'ai appris à monter à cheval. Être digne de mon héros. C'était mon unique pensée. Et puis enfin, il rentra à la maison. Tout le monde était en effervescence et moi, j'étais heureuse. Mon tuteur arrivait et il m'apportait un merveilleux cadeau. Un fiancé. Ah, de Saint-Louis, j'avais reçu 3 malles contenant tout un magnifique trousseau à la dernière mode. Chemise de fin linon, jupe brodée, bustier, déshabillé, robe, bottine, toutes ces choses qui font tourner la tête des jeunes filles. Il ne manquait rien pour me faire belle. Pour me préparer à cette rencontre avec lui, mon futur mari. Il s'appelait Don Clark. Je ne l'avais jamais vu. On m'avait dit que c'était un homme distingué et l'héritier d'une des plus grandes familles du Missouri. D'ailleurs, c'était mon tuteur qui était aussi mon parrain qui l'avait choisi. Ce ne pouvait être qu'un homme merveilleux, comme lui. Je me préparais à cette première rencontre pleine d'espoir et de crainte. Est-ce que Don Clark allait me trouver assez jolie? Est-ce que je ne serais pas trop maigre ou trop grande pour son goût? Je voulais être digne de lui et de mon parrain. C'est pourquoi j'étais aussi excitée. Je tremblais d'émotion comme toutes les jeunes filles qui attendent l'amour. Et puis je le vis. C'était un vieil homme laid et répugnant. Le mari que mon tuteur m'avait réservé. Avant de poser ma candidature, je vais être certain d'être élu. Mais tu peux compter sur moi, je te l'ai déjà dit. Tu n'auras pas à le regretter. Une fois gouverneur, je pourrai favoriser les vieux amis et tu es le premier auquel je penserai. Tu m'as déjà fait une grande faveur en m'accordant la main de ta pupille. Mais sera-t-elle d'accord? Ne t'inquiète pas pour cela. Ah, oh, mais la voilà. Je te présente ma pupille Isabelle, Don. Ne te laisse pas prendre à sa toilette de demoiselle. Cette petite est sauvage comme un cowboy. Isabelle, voici Don Clark, ton fiancé. Nous avons déjà tout arrangé, vous vous marierez dans 2 semaines. Depuis longtemps, j'attendais ce moment, mademoiselle. Je suis très honorée. Et je dois mettre les choses au point dès maintenant. Je n'ai pas l'intention de me marier avec vous. Isabelle, viens là! Ah, je te l'avais dit, mon ami, elle est sauvage comme une jeune pouliche. Que veux-tu? Le drame, c'est que quand son pauvre père est mort, Isabelle avait 5 ans. 1 an après, sa mère s'est ignorée en me la confiant. Mais il y a eu la guerre, la petite a vécu parmi les cow-boys. Mais quand elle sera ta femme, ça changera. Inutile de te leurrer, parrain, je te l'ai dit. Personne ne pourra me forcer à l'épouser. Isabelle! Maintenant, ça suffit. Tu vas épouser Don dans 2 semaines. Je lui ai donné ma parole d'honneur. Compris? Tu lui as donné la tienne, pas la mienne. Elle ne manque pas de tempérament, ta pupille. Ça me plaît assez. Tu es gentil, Don. Mais elle a besoin d'une correction pour obéir. J'ai été trop longtemps absent pour qu'elle me connaisse bien. Tu te trompes, parrain. Je te connais, c'est toi qui ne me connais pas. Ne t'en fais pas, Don. Crois-moi, ces pouliches sauvages deviennent des femmes dociles. Il suffit de les dompter tout de suite. La cravache. Compte sur moi. Je partis en courant comme une folle. Mon tuteur, ce parrain que j'admirais tant, était tombé à jamais du piédestal où je l'avais placé. Je voulais fuir. Fuir loin de ce vieillard, de mon parrain. Et de cette maison qui, avec lui, ne pouvait plus être la mienne.
n'est pas pour ces raisons de roman à l'eau de rose que tu es devenue cette fille dont la si jolie tête vaut 15 000 dollars. Non. Le point final était mis en ce qui me concernait. J'étais délivrée de mon tuteur. Je vivais libre avec la bande. Là, je ne pensais d'ailleurs même plus à ce qui s'était passé. Je ne savais pas encore que la mort faisait partie de mon destin. Un jour, j'étais avec Cole. Non, jamais je ne quitte mon revolver. J'aurais l'impression d'être tout nu, et la vie m'a appris que c'est la seule loi qu'on respecte ici. Je saurais me faire respecter aussi. Maintenant, je ne tire pas mal. Ah, ouais, je comprends. C'est vrai, ça. Je dirais même que tu tires bien. Mais méfie-toi. Les cimetières de l'Ouest sont pleins de types qui se croyaient d'excellents tireurs. Ils ne devaient pas l'être suffisamment s'ils sont morts. Tout le problème est là, mon trésor. C'est à qui tire le mieux, toi ou l'autre. Cole, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les cloches de Greenwald qu'on entend. C'est pour une pendaison. On doit exécuter une jeune indienne. Cette fille, c'était la jeune indienne qui avait été élevée avec moi. Jessica avait toujours été gaie, dévouée, pleine de bonté, charmante. Jusqu'à ce jour-là. Elle a perdu sa belle insouciance au retour de mon parrain. Ce soir-là, je m'étais dit, il faut revenir et avoir encore une bonne explication. Et puis, je partirai pour toujours. Je t'en prie, maître, laisse-moi tranquille. Oh non, par pitié. Tais-toi donc, tu es une petite sauvage, t'as besoin d'être dressée. Ta mère à ton âge était moins bête, elle ne faisait pas tant d'histoire. Non, non, tu te laisses le faire. Tais-toi tranquille. Laisse-moi. Peux-tu lâcher ce poignard? Petite garce. Non. Pour qui te prends-tu? Je t'en... Laisse-moi. De là pour m'obéir, et gare à toi si je me mets en colère. Allez, sois gentille. Non. Au secours. Oh mon Dieu. Tu n'as pas honte, espèce de dégoûtant. Sauve-toi, Jessica. Va-t'en, vite. Oui. Tu n'aurais pas dû te mêler de ça. Tu crois l'avoir sauvée, mais je la ferai pendre à Jessica. C'est moi qui t'admirais. Je t'adorais comme un dieu. Mon parrain, le colonel, mon héros. Mais maintenant, j'ai compris qui tu es. Oh, tu es un homme corrompu, lâche, vil, ambitieux, qui n'hésiterait pas à me vendre au premier vieux Richard venu pour qu'il appuie ta candidature au poste de gouverneur. Tu as tort de me fâcher. Tu le regretteras comme ta mère l'a regretté autrefois. Alors, tu l'avoues. C'est donc vrai ce qu'on dit? C'est toi qui as fait mourir ma mère pour hériter. C'est ta cruauté qui l'a conduite là où elle est. Tu es un homme courageux, surtout avec les femmes. C'est un peu facile, tu ne trouves pas ce genre de victoire? Tu n'es qu'un lâche. Isabelle! Assez, Isabelle, ça suffit! Je t'apprendrai à me parler sur ce ton. Je vais te mater, moi. Tu me subiras bientôt d'épouser Don Clark. Je préférerais que tu me tues. Je suis prêt à le faire. Méfie-toi, tu ne me connais pas. Je te ferai baisser les yeux. Jamais. Tu ne me fais plus peur. Je t'ai respecté, mais maintenant c'est fini. Tu n'es plus rien pour moi. Tu me dégoûtes, tu m'entends? Tu me dégoûtes. Tu as tort de me défier. Tu me le feras! Tu me le feras! Voilà qu'il faisait pendre Jessica comme il l'avait dit. Je ne pouvais pas permettre ça. Est-ce que je peux savoir où tu veux aller tout à coup? Te mettre dans de mauvais draps, hein? C'est un secret, tu veux rien dire. Tu veux venir avec moi? Bien sûr. Merci. Ah. Mais je dois régler ça toute seule. C'est une affaire qui me regarde. Ne t'en mêle pas, Cole.
un petit compte que j'ai à régler. Si tu essaies de me suivre, gare à toi. Je t'en empêcherai, quitte à tirer. Ah, vraiment, tu tirerais. Allons, tu es fort. Ah non, n'essaie pas d'avancer. Ce que je te dis, c'est sérieux cette fois. Hey! Attends, Belle! Belle! Laisse-moi mon revolver au moins! Belle! J'ai galopé jusqu'au village comme une forcenée pour arriver à temps. Je savais qu'elle était innocente. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'ils allaient pendre ma petite Jessica, si douce et si gaie. Quand je suis arrivée, elle avait déjà la corde au cou. Mon tuteur était là, assis à la tribune des autorités, savourant le spectacle. C'est lui qui leva le bras pour donner le signal de l'exécution. À cet instant, j'éprouvais une telle haine pour lui et pour tous les hommes que jamais ma main ne fut aussi ferme. Je connaissais le shérif de Greenwald depuis des années. Il s'appelait John Custer. Il avait deux jeunes enfants et une petite femme blonde au nez retroussé. Il fallait que je tire si je ne voulais pas être rattrapée. Je le tuais. C'était la première fois que je tuais un homme. Maintenant, il ne faut plus penser à ça. Le pire est passé et tu es libre. Je serai toujours reconnaissante. C'était un devoir. Ces jours-ci, il a recommencé. Il a encore essayé d'abuser de toi, j'imagine. Tu lui as résisté, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Je le connais, bah, je sais trop bien qu'il est capable de toutes les bassesses. Qui est-ce? Quelqu'un vient? Belle, je me sens bien maintenant. Partons. Bon, occupe-toi du cheval alors. Oui. Isabelle Shelley, je savais bien que je te trouverais ici. Veux-tu baisser ce fusil? Non. Non, ma chère, je ne peux pas tolérer qu'une fille qui porte le même nom que moi soit pendue comme une criminelle quelconque. Tu es ma pupille, c'est moi qui dois te supprimer. Ah, c'est donc ça. Tu te préoccupes de l'honneur du nom, monsieur le gouverneur. Mais approche, viens me tuer, viens, je t'attends. Tu me fais rire, Isabelle. Pour qui te prends-tu? Tu crois me faire peur? John, pars! John, ramène les autres! Vite. Tiens.
gars, cours jusqu'au lac. J'essaierai de les retenir toute seule pendant ce temps-là. Laisse-moi le revolver et sauve-toi. Je reste avec toi. Laissez les tirer tant qu'elles peuvent. Bientôt, elles n'auront plus de munitions. Arrêtez vous autres. Ne gaspillez pas vos réserves. C'est ma filleule. Laissez-moi faire. Mais je n'ai pas utilisé toutes mes balles. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus décidé à me tuer? Allons, est-ce que tu aurais peur de moi? La voilà! Allons-y, les gars! Je te demande pardon de ce qui est arrivé. Je ne savais pas que c'était ton parrain. Tu n'as pas à me demander pardon, j'allais le tuer. Cet homme n'était plus rien pour moi. Si on réglait notre petit compte. Tu me dois quelque chose, non? Quoi, tu as déjà oublié? Je peux revoir mon arme? Qu'est-ce qui te prend? Donne-moi aussi ton fusil. Comme ça, Trésor, tu comprendras peut-être ce que ça veut dire pour quelqu'un de notre espèce de rester sans armes. Comme tu m'as laissé.
Lâche-moi. Je savais que tu viendrais. Lâche-moi. Tu vois, je t'attendais. Ce n'était plus Cole. Ce n'était plus l'ami que je connaissais. Je ne sais pas pourquoi il me fit penser à mon parrain. Il avait quelque chose dans son regard qui m'effraya. Une lueur méchante et sauvage. Il me saisit. Me jeta par terre comme une bête. Il essaya d'arracher mes vêtements. C'est alors que Jessica le tua. Je sentis son corps devenir lourd sur le mien. Pesait de plus en plus. J'étouffais sous son poids. Je n'arrivais pas à m'en libérer. Jessica croyait avoir payé sa dette envers moi. J'avais tué pour elle, elle avait tué pour moi. Elle ne savait pas qu'elle m'avait privé de mon seul ami. Du seul homme que, malgré tout, j'aurais peut-être pu aimer. Tu connais maintenant toute la vérité sur l'histoire de Belle Star. Ma tête a été mise à prix pour le meurtre de plusieurs personnes que je ne suis pas sûre d'avoir tuées. Mon nom a commencé à grandir. J'étais la cruelle, la terrible Belle Star. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus le choix. Il faut continuer à tuer pour se défendre. C'est comme ça que mon personnage s'est créé. Ah, nos histoires se ressemblent toutes au fond. Si tu n'étais pas ce que tu es, si je n'étais pas ce que je suis, on aurait peut-être pu avoir une vie différente ensemble. Malheureusement, toi et moi, nous sommes faits sur le même modèle, et c'est sans doute pour ça que tu me plais, plus que n'importe quel autre. Un café? Hein? Si nous parlions un peu affaires. Oui, je mijote en ce moment un coup du tonnerre. Je veux parler de la Western spéciale. La spéciale? Tu veux attaquer le convoi de diamants de Saint-Louis? Avant toi, d'autres ont essayé. Jusqu'à présent, ça a toujours mal fini, tu le sais. $1 million en pierre brute, c'est tentant. J'ai un plan déjà, mais j'ai besoin d'une femme intelligente. Toi, tu veux entrer dans ma bande? Moi, que je travaille pour toi? Belle Star ne veut travailler pour personne. Je tiens à te dire clairement que ce qu'il y a entre nous ne doit en aucun cas te laisser espérer que je vais accepter de mettre mon équipe à ton service. Attaquer la spéciale, je peux le faire si je veux. Toi aussi, tu peux travailler pour moi. Ouais. Tu vas un peu loin, je crois. Tu n'as donc pas compris encore. Je te croyais plus intelligente. Ici, ceux qui ne travaillent pas pour moi sont mes ennemis, mon homme. Calme. Compliment. Adieu, Belle Star. Ah, j'oubliais une dernière chose. Qu'on ne te voit plus dans les parages. Jamais je n'ai accepté d'ordre de personne. Ce n'était pas un ordre, c'était simplement un conseil. Salut. Belle, qu'est-ce qu'il te voulait? Jessica, prépare toutes nos affaires. Tâche de faire très vite. Nous partons immédiatement. Il faut que je trouve des hommes prêts à tout pour de l'argent. C'est le moment. Il est temps que je donne une bonne leçon à Larry Blakey. Cette fois, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tous ces hommes, Belle. Jamais tu n'aurais parlé aux deux frères Whiteman ou à Gassiro avant. Ce sont des criminels, ils aiment tuer. Tu n'aurais pas voulu t'abaisser à côtoyer ce genre de canaille. Je t'exerce. Je t'exerce, mais cette fois, j'ai besoin d'une bande organisée.
Dans le cas actuel, je dois avoir de bons tireurs, prêts à tout et sans scrupules. Des gars qui ne posent jamais de questions. Mais tu as toujours préféré travailler toute seule. Oui, mais cette fois, c'est différent. On ne reste pas seul pour un coup de l'importance de celui-là. Et je sais de quoi je parle. C'est pour se blaquer, n'est-ce pas? Depuis que tu l'as rencontré, tu n'es plus du tout la même. Tu l'aimes, Belle. Non, je ne l'aime pas. Bien au contraire, je le hais de tout mon cœur. Il a l'audace de venir me donner des ordres, mais il ne sait pas encore que je suis Belle Star. Là. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de si terrible à ça? Il me fait peur. Oh, calme-toi, Jessica. Il était là sur son cheval et il me fixait. Ça fait 3 jours qu'il nous suit. Qu'est-ce qu'il nous veut? Qui sait, il est peut-être tombé amoureux de toi, après tout. Ne plaisante pas. Bon, je vais voir ce qu'il veut. Il paraît que tu as besoin de bons tireurs. Des amis ont parlé de ça devant moi. Si tu es d'accord, je suis prêt à rester à tes ordres. Tu peux compter sur moi. Comment t'appelles-tu? Pedro. Ma mère était indienne et mon pays, c'est le Mexique. Mais je ne peux pas y retourner. Si tu me prends avec toi, tu n'auras pas à le regretter. Tu peux me faire confiance. D'accord, on te garde avec nous. Mais tu le surveilleras jusqu'à ce qu'on le connaisse un peu mieux. Bon, sois tranquille. Mais écoute bien ce que je vais te dire et ne l'oublie pas. Ici, c'est moi qui commande. Et je ne tolère ni questions ni erreurs. Tu les paierais très cher. Allez, en route. Hé, hé! Hé! Hey. Où est donc Belle? Au bord du lac. Chaque fois qu'elle veut être seule, elle se réfugie là-bas. Oh, puis arrête de me regarder, je t'en prie. Dis-moi avec ces yeux-là. Ça me donne l'impression que tu me caches quelque chose. Je pensais que tu avais compris pourquoi je le faisais. Commence pas avec ces histoires. Je n'aime pas ça du tout. Tu es là parce que Belle a besoin d'hommes pour ses projets. Un point, c'est tout. Belle Star, tu ne penses qu'à elle, si je comprends bien. Belle m'a sauvé la vie un jour. Depuis, ma vie lui appartient. Mais tu es une femme, Jessica. Un beau jour, tu rencontreras un homme. Je hais les hommes. Ils ne m'ont fait que du mal. Bill, Frankie, Gassiro, Jackie, bonne équipe. Alors écoutez bien, voilà le parcours du convoi. Chacun sait que lors du transfert, les pierres sont placées sous la protection d'une escorte d'élite. Pinkerton la forme avec le plus grand soin. Il choisit toujours lui-même les meilleurs tireurs et les plus braves parmi ses gardes. C'est dans un coffre, à l'épreuve de la dynamite, que se trouvent les pierres. Alors, pour quelle raison t'as choisi ce parcours, Belle? Cette question. Quand il s'agit du plus important des coups qui ait jamais été tenté par ici, ça ne peut pas être sans risque. Si vous avez peur de m'aider, dites-le, je ne force personne. Moi, quels que soient les risques, je veux essayer, parce que ces pierres représentent plus $1 million. $1 million? Je suis avec toi, même si ça doit me conduire en enfer. Et nous aussi, hein, Jackie? Et toi, qu'est-ce que tu décides? C'est le moment de répondre par oui ou par non. À ce prix-là, je participe aussi. Bon, alors écoutez-moi bien.
Prends les mains. Restez où vous êtes. Je te dérange. Permets. Quelle sympathique réunion. Compliment. Tous les gibiers de potence de la région, je te félicite. Mais tirez pas, les gars, c'est inutile. Nous sommes bien entre amis, non? Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils vont travailler pour moi. Et je suis en train de donner mes instructions pour la spéciale. Ouais, eh oui, c'était bien ce que je pensais en venant. Et quelle imprudence de ta part. Je te laisse 2 jours pour quitter la région une bonne fois pour toutes, Bellstar, toi et ta bande. C'est mon dernier avertissement. Ne tirez pas. Nous sommes des amis, n'est-ce pas? 2 jours, tu entends? Mais c'est bien parce que c'est toi. En général, je ne préviens pas. Salut. Ce coup-là, je ne l'abandonnerai pas, je le ferai avant toi. Mets-toi ça dans la tête! Eh bien, les amis, si Blackie vous terrorise, vous avez le droit de laisser tomber dès maintenant. Tout ce dont vous êtes. Ce coup de poing, il me le paiera. Tu peux compter sur moi. Moi aussi, je reste, mais il faudra jouer serré. Ce gars, il faut pas le défier, tu sais, Belle. Il nous empêchera de faire le coup, je te le dis. Non, si nous le gagnons de vitesse, il ne nous possédera pas. Et dès ce soir, nous allons passer aux actes. Jusque-là, ils ont tous fait le coup pendant que le convoi était en route. Et voilà où est l'erreur. Au contraire, nous allons les surprendre en attaquant durant la pause du soir. Quand les diamants seront enfermés à la banque, surveillés par les gardes de Pinkerton et par le shérif. À l'endroit où ils sont le plus en sécurité. Ici, dans la banque de Route City. Mes hommages. Tout s'est bien passé, Pedro? Oui, très bien. Bravo, vous êtes à l'heure. Mes amis, je vous présente M. Benjamin Chesterton, de Pittsburgh. Le voyage a été bon? Oh, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a été bon. J'ai les reins littéralement brisés, mais le principal, c'est que je sois là. Alors, viens t'asseoir. Hé, hey, Belle. Hmm? Qui c'est, cet oiseau-là? Qu'est-ce qu'il fait ici? Allons, allons, les gars, ne soyez pas méfiants et grossiers. M. Chesterton, lui, n'est pas un rustre comme vous. Il a reçu une bonne éducation. Il a même passé sa jeunesse à construire des coffres-forts dans la fabrique des frères Burting. Et il connaît bien les petites particularités de chacune des marques. Modestement, j'ose dire que je suis même un expert en la matière. C'est d'ailleurs pourquoi on m'a surnommé Main de Flour. Alors, chapeau bas devant lui, monsieur. Mon fieu, vous êtes trop bonne pour moi. Comment vont tes doigts précieux? Oh, pas mal. Oui, bien que récemment, j'ai été obligé de faire un petit séjour dans une pension du côté de Chicago. Et que voulez-vous, un incident pendant le travail? Ben, ça peut arriver. Alors, Chesterton, ainsi que je viens de le dire à ces messieurs, j'ai dû modifier légèrement les plans. Nous devrons agir dès cette nuit, pendant la halte à Route City. À vous écouter, ça paraît aussi facile que de boire un verre d'eau fraîche. Non. Ce ne sera pas facile, Chesterton. Parce que justement, nous choisirons le moment où il y a le plus d'hommes pour assurer la surveillance. C'est sans aucun doute l'instant où ils seront le plus loin de penser qu'on peut tenter un coup de main. C'est une idée audacieuse. Mais pour $1 million, ça vaut la peine. En soi, cela n'a rien de compliqué. Écoutez. À Route City, la banque est sur la place. Les gens rentrent de bonne heure chez eux. Nous attendrons la tombée de la nuit. Et près de l'ancienne mission, il y a une écurie. De là, nous pourrons atteindre le centre de la ville par la voie la plus sûre. Et toi? Je descends le premier. Chut. Attention, voilà quelqu'un. Bonsoir, Jonathan. Comment ça se fait? On ne voit personne ce soir. Les gardes du convoi sont tous en train de manger. Ils ne sont pas prêts à avoir fini. Ils ont des sales têtes, les hommes de Pinkerton. On ne pourrait pas avoir affaire. Tu ne rentres pas à la maison? Oui, j'arrive. Je disais bonsoir, Jonathan. J'aime pas te savoir dehors. Avec toute cette heure qu'il y a en ville, je ferais mieux de rentrer chez toi aussi. T'as raison, Peggy. L'air est malsain ce soir. Alors, tu viens, Peter, il est tard. À demain, Peter. Bonsoir, Peggy. C'est ça, bonne nuit, Jonathan.
La voie est libre. Suivez-moi. Attention. Allons voir quelque chose. Ouais, bonne idée, j'ai choisi ça. Ouvrez l'œil quand même, vous deux. Apportez-moi une bière. Mais ne le tue pas, c'est pas nécessaire. Okay. T'as réussi? Attendez, je vais vous ouvrir. Et voilà. Allez, prends-moi dans la voie, tu veux? Allez. Ok.
enfants, le voyage ne se passe pas si mal. Pas comme certaines fois. Ah, je comprends. Rappelle-toi le transfert il y a 3 ans. Voilà. C'était mis à 20 pour essayer de nous doubler le chargement. Et nous étions fuites, on les a tous étendus. Pour bourre. Bon, en attendant, depuis cette fois-là, personne ne s'y est plus frotté. Une chance. Silence. Sinon, tant pis pour rien. Je sais rien. Mais vite, les cailloux. Tenez. Traître. Vite. Tais-toi. Non. Tu vas me les donner, garce. Non. Peut-être. Vraiment, je n'aurais jamais supposé que tu pouvais faire une chose pareille. Toi et ton équipe, vous espériez vous débarrasser de moi. Eh bien, tu vois, tu m'as sous-estimé. Tu es là uniquement parce que mes hommes avaient reçu l'ordre de ne pas te tuer. Eh ben, bonsoir. Voyez-vous. Vous comptiez peut-être filer avec les pierres. Non, elles sont encore en bas. Va les chercher. Désolé, mais je n'en crois rien. Où sont les autres? Qu'est-ce qui s'est passé? Va voir toi-même si ça t'intéresse. Tu trouveras tout. Les pierres et les cadavres. Tu veux me faire croire qu'ils sont tous morts? Tous. Mais c'est ce qu'ils méritaient. Tu m'as déçu, Lucky. Je ne te croyais pas capable d'agir de cette façon. Assez de discours. Dans ces cas-là, tous les moyens sont bons. Maintenant, tu vas me donner les cailloux. Je ne les ai pas, je viens de te le dire. Et alors, c'est à ce moment-là que Bill l'a étendu, sinon... Attendez une seconde. Regardez, vous avez vu ça? Mais enfin, c'est du sang, mon Dieu. Ça vient de là-haut. De la salle où il y a le coffre. Il a dû se passer quelque chose. Donnez l'alarme, pressez-vous. Du sang, mais c'est pas possible. Tout le monde prêt à tirer. Vite, les gars. Pour qu'il s'échappe. Attention. Tu as caché le sac? Oui, oui, on devait le mettre en cas d'incident. Bien. Chesterton. Pauvre Chesterton. Ne restons pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme qui est tombé. Il est mort. Qui c'est? Avertissez le chef. Mais qui c'est? Il doit faire partie de la bande. Fouillez-le. Baisse-toi. Oh, il n'a pas les pierres. Mais d'où est-ce qu'il est tombé? Là-haut. Fermez le bâtiment. Je crois qu'on est cuit. Allez, vite, en place. Là, ici. Ils sont sur le toit. Reste là. Je vais essayer de les attirer de l'autre côté. Bien.
puis pourquoi M. Pinkerton nous a choisi nous plutôt que d'autres? Eh bien, c'est parce qu'on n'aime pas les types de ton espèce, les hommes du Sud, orgueilleux et indépendants. C'est depuis la guerre qu'on a appris à les haïr. Nous, nous sommes chargés de surveiller le transfert et les joailliers de Saint-Louis ne s'occupent que de leurs pierres précieuses. Alors, si tu nous dis où tu les as mises, on renoncera à te corriger. D'ailleurs, tôt ou tard, tu parleras. Oh, quel beau matériel. Hein. Pauvre Chesterton. Main de velours. C'était un professionnel très sérieux, un artiste dans son genre, un grand artiste. C'est drôle qu'il ait accepté de travailler pour des canailles comme toi, Blakey. Ah, quel dommage. Il s'est écrasé sur le sol comme un petit oiseau tombé du nid. Il n'avait pas la peau dure comme toi, n'est-ce pas? Alors? Où les as-tu cachés? Où sont les pierres? Allons, dis-le-moi. Dis-le à ton ami. Tu te crois très fort et très brave. Tu résistes aux coups de poing ou aux fouets aussi? Serais-tu par hasard de ceux qui ne sentent plus la douleur? Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. On m'a raconté qu'il y en avait un comme ça dans le temps à Middletown. Il avait perdu toute sensibilité. Il ne réagissait plus à aucune douleur. Je n'aurais vraiment pas de chance si c'était ton cas. Voyons un peu. Ah, tu vois, tu as senti, là, hein? Alors, tu les as fait sortir du village ou est-ce qu'elles sont encore ici, hein? Oh, parle. Est-ce que tu peux être entêté? Je crois que c'est parce que tu ne me connais pas. Elle te fait mal, ta blessure, hein? Oh, ben oui, pauvre Blakey, tu dois souffrir, la balle est encore dedans. Tu as un couteau, Frankie? Oh, tu sais, j'ai peur que si on la laisse, ça finisse par s'infecter. Enlève-la lui, Frankie. C'est pas sain de garder une balle plantée dans les chairs. Tu aimes la musique de Chopin? Elle est douce, elle élève l'âme. Je ne sais pas pourquoi je te demande ça, parce qu'on apprécie guère les arts par ici. Assez, ça commence à bien faire. Tu aurais tort de me fâcher. Alors, où as-tu mis les cailloux? Prends garde, Blakey, parce que si je m'y mets, je peux te réduire dans un état tel que tu me supplieras de t'achever tout de suite. Mais je te préviens qu'une mort rapide, c'est une faveur. Et tu devras la conquérir tout seul. Frankie, maintenant tu vas acheter un peu de whisky sur ces plaies. C'est vrai, il fait froid ici. Bon, je crois qu'un peu de feu nous réchauffera. D'ailleurs, lui aussi, il en a besoin. Assez. Ne bougez pas. Haut les mains, pressez-vous. Prenez garde. Un seul mouvement de plus, et vous êtes mort. Viens par ici, toi. Et vite. Oh, mais quelle bonne surprise. Ainsi, notre Blakey n'était pas seul. Il avait une partenaire là-haut sur les toits. Mais si je ne me trompe, c'est Madame Bellstar. Larry Blakey et Bellstar ensemble, qui aurait jamais pensé ça. Assez de discours, dépêche-toi. Jetez les armes. Tu dois savoir que mes hommes ont cerné tout le quartier. Si tu tires, ils se précipiteront ici au premier coup de feu. Tu ne t'en sortiras jamais vivant. Frankie! C'est gentil de t'inquiéter pour moi. Mais tu ferais mieux de penser à sauver ta peau.
Allez, détache-le. Vite. Dépêche-toi. Allez. Et n'essaie pas de faire le malin. Maintenant, jette ce couteau. Où veux-tu en venir? C'est à toi de choisir. Tu peux sauver ta peau ou recevoir une balle dans le crâne. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu nous laisses partir, Blackie et moi. Tu nous accompagneras. Et tu diras à tes hommes de ne pas tirer jusqu'à nouvel ordre. J'ai besoin d'avoir une demi-heure devant moi. Et si... si jamais l'un d'eux me désobéissait? Ce serait tant pis pour toi. Et qui m'assure que tu ne me tueras pas ensuite? C'est à prendre ou à laisser. Allez, avance. Et décide-toi. Les pierres, tu les as sur toi? Ne t'occupe pas. Dis d'abord à tes hommes de décharger leurs armes. Et fais-les aligner, là, sur la place, bien en vue. Jack, tu vas ordonner à tous les hommes de décharger leurs revolvers. Chef, c'est de la folie. Ne discute pas, fais ce que je te dis. Je te demande de donner l'ordre de décharger les armes et que tout le monde s'aligne, bien en vue. Il n'y a personne d'autre dans la maison? Si, les filles du saloon, d'un côté. Bon, alors fais-les sortir. Allez-vous-en! Sortez! Allez, filez! On m'a dit que tu as été officier. Oui. Tu me donnes une demi-heure? J'ai ta parole d'honneur? Tu l'as. Bien. Voilà les pieds! Hé! Hey! Touche pas. Contra tes précieux cailloux, car nous serons plus loin et hors de portée. Aide-le à marcher. Salon! Aide-le, je te dis. Dépêche-toi. Tiens. Prends garde à ce que tu fais. Maintenant, dis-leur de jeter leurs armes et de se tenir tranquille. Oui, d'accord. Jetez vos armes. Et ne bougez pas. Jetez vos armes. Dépêche-toi, aide-le. Laissez-nous passer. Écartez-vous. Et souviens-toi, une demi-heure, j'ai ta parole d'honneur. Parole d'honneur. Vite, Larry. Gars! Roger, dépêchons-nous, faut les rattraper! Non, je vous le défends, les gars. Je leur ai donné ma parole. Laissez-les, ils peuvent partir. Après tout, nous avons les pierres. Ça suffit comme ça, je me sens très bien. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as soigné. Il faut que je te remercie. Eh bien, c'est fait. Tu peux être contente de toi, belle star. Et figure-toi que j'aime pas être perdant. Ne crois pas que tu viens de gagner. Non. Non, ça je le sais. Je sais que je perds toujours avec toi. Même quand j'ai gagné. Maintenant, va-t'en. Laisse-moi. Ah.
Tu vois, ce sera comme ça tout le temps entre nous. Adieu. Forevermore. Our time for love. What can I say? Love comes alone. I run away. But I will stay. Hey, belle star! Un mot encore! Ne crois pas que nous sommes quittes! Rendez-vous au prochain poker! Love at last has come to me.